Hop, on enregistre. Donc bienvenue au live du lundi sur Factorio. Et on y va tout de suite. On est parti, on n'est plus là. Ah ouais, j'étais venu vérifier des trucs ici. Hein. On avait été attaqué par des bestioles. Il y avait eu du dégât. J'ai installé un petit mod. Donc le coup de bouteille. Bottleneck. J'ai toujours pas compris le rapport du nom avec le truc que ça faisait, mais bon. Donc ça affiche une petite vignette sur les usines. Donc vert quand elle tourne, orange quand... je sais plus ce que c'est. Il y en a une, c'est il n'y a pas d'entrée, et l'autre, il n'y a pas de sortie. Donc là, c'est il doit pas y avoir d'entrée. Ou il n'y a pas de courant. Ouais, donc il faut qu'on aille... Alors il y a deux postes de bestioles, un poste là, il y a peut-être celui-là qui va commencer à craindre, donc on va faire un petit peu le tour, il nous faut de la tourelle, il nous faut notre tank, le tank est là je crois. C'est ça que j'avais écrit hein, après il faut augmenter les fours de cuivre et de fer, ouais, bestioles au sud-est, ouais le tank il est là. Ok, donc au niveau tourelle, j'en ai que 5, j'ai un petit peu de mur. J'ai plus de missiles. Ah si, j'ai 12 missiles normaux. On va aller chercher un peu de munitions. Et puis de la tourelle. Je crois que j'en ai construit de la tourelle. Il me semble que j'ai construit de la tourelle. Salut Hotbug. La dose de Factorio, ouais la base, ouais, il faut la dose. Alors attends, la tourelle. Ah, de la tourelle. Oh, 10. Je pense que c'est pas mal. Par contre, il nous faut de la munition. Les explosifs. 200, c'est un peu faiblou. Ouais voilà, donc quand elle fonctionne, il y a un gros machin vert. Bon, je pense qu'il y a des oranges dans le coin, ma chienne, elle est pas bien. Salut Ranatan Blanc. Tiens, quand on parle de ma chienne, on voit le chien. Ouais, tu sens des oranges toi, hein, t'es pas bien. Tu veux être à côté de ton papou. Ouais. Ça pue et il n'aime pas. Déclencher une attaque alien à cause de la pollution. Bah c'est nouveau ça. Ah c'est parce que pour les mods je me suis connecté à Steam. Ah. Bon je pense que j'espère que j'aurai assez. Alors s'il nous faut des murs, les murs on les a fabriqués ou pas? Est-ce qu'on les a fabriqués les murs? Oui il a fallu fabriquer des murs. Pourquoi on a dû fabriquer des murs? Pour l'objectif fiole noire. Par contre, je suis pas sûr qu'on les ait stockés les murs. Ah là 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 là, ça me fatigue, je t'avoue, Herlo. Bon, le cuivre, il est toujours à la ramasse, hein. On est d'accord. Ah, ils sont là. Ah oui, et on n'a pas fait de petits... Ah zut, je récupère les grenades aussi. Oh bah c'est pas grave, on jouera avec les grenades. j'ai peur de rien. Ouais, donc quand c'est jaune, c'est que la sortie est bloquée. Quand c'est orange, c'est qu'il n'y a pas d'entrée. Il manque de l'entrée, c'est insuffisant en entrée. Et quand c'est vert, c'est que ça tourne. Donc là, par exemple, en orange. Voilà. Là, il est en attente de tuyaux de cuivre. Oh, oh. Et pourquoi on livre pas de tuyaux de cuivre? Parce qu'on n'a pas de plaque. Voilà. Voilà le défaut du truc. Salut Sébastien. Salut Oya. Alors, aujourd'hui,
Oh, tu... Ouais, bah le cuivre, on voit nettement ce qui se passe dans le cuivre. Tous les fours fonctionnent pas, quoi. Bon, ça y est, ils se remettent à fonctionner. Poc, 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 poc. Faudra peut-être mettre du bleu... du truc bleu... ouais. Et puis surtout, on va rajouter des fours. On va rajouter des fours. Mais on va s'occuper de ça... une fois qu'on aura... est-ce qu'on a assez de... on veut pas tomber en rade, nous. Hein. On veut pas tomber en rade, on prend le max. Alors, on a des... on a 9 obus. Peut-être qu'on pourrait s'en refaire d'autres, des obus. Ça, c'est quoi? Ah, c'est les... le lance-flamme. Ok. Non, c'est moche, le lance-flamme. On a 12 missiles à main. Est-ce que ça va être suffisant, 9 obus? Bon, après, on a des obus explosifs. Mais ça fait moins de dégâts, hein. Totorot, totorot, totototototoro. Salut Filbur. Totototototototorot. Attends, je suis en marche arrière là. On me dit dans l'oreillette que je suis en marche arrière. Voilà, ça va. Ah, ça va plus vite en marche avant. Alors, on veut aller. Je pense qu'on va commencer par s'occuper de cela. Mais bon, faut passer les falaises. Ça drift. C'est les bruits des chenilles qui font Alors attends, ils sont où les bestioles? Il y a un nid de crasheur. On n'aime pas ça, les crasheurs. Ah oui, on n'aime vraiment pas ça, les crasheurs. Alors, attends, on va... oh, c'est un truc tout seul. On va les attirer. Ouf. Allez, viens des... viens des petits monstres. Ouf. Pourquoi... pourquoi je tire pas? Ah, je tire des obus, brin. J'ai gaspillé 3 obus. Alors du coup, je vais me remettre en mode obus, je vais tirer sur... paf. Je repascule en mode mitraillette. Tiens, voilà. Bon, je crois qu'il est nettoyé celui-là. C'était un Chio. Ouais, a pu. Bon, on va aller H2ème, celui-là. Qui je pense pas nous embête. Mais on va le nettoyer quand même, puis après on ira finir celui-là. Allez, hop. Alors on va passer sur le côté parce qu'on aura une meilleure vue. Ah, de nuit ça craint. Ah, puis c'est... ouf. Nid déchiqueteur. Comme d'hab, on va les attirer. Hop. Hop. Ça devrait être plus calme. Hop. Pourquoi il veut pas tirer? Ah, les sales bêtes. Ah, je suis pas assez loin. Pas. Ah, il y a des vers. Il y en a un qui se planque là. Bon, je l'ai écrasé. Alors, les vers. Oh, j'ai plus que 2 obus. Hop, j'en ai eu un. Ah non, pas tassé. Ah si, il y en a un qui est mort. Ok. Bon, j'ai plus d'obus.
Après, je peux y aller. Ah, ils sont tous morts. Ok, bon bah ils sont morts. Oh, ça a été un peu facile. Les robots se réparent, ne réparent pas le char comme pour la voiture. Non, il était, il s'est un peu fait abîmer, il était intact quand je suis parti. Alors, où on veut aller? Mais sinon, il le répare. Hein. Je vais aller à celui-là. C'est encore dans la forêt. Oh, on va sortir, on va passer au-dessus, non? Ah. Ouf. Il y a des crasheurs. Donc première passe. Oh, je tire pas. Ah, ils sont pas assez près. Tiens. Oh, il y a une attaque. Ah oui, c'est moi. Je suis en train de me faire attaquer, les gars. Tiens, prends ça. J'ai eu peur, je me suis dit, ils attaquent ma base. Ah. Attends, ils étaient où? Mais tire! Pourquoi il tire pas? Faudrait peut-être que je passe en C, mais c'est pas évident en C. C'est plus dur pour moi. Alors. Il en reste deux petits. Paf. Voilà. Allez. Avec le tank c'est facile hein. Est-ce qu'on a tout nettoyé le truc? Ah. J'ai ma mine de char... Macho. Ma mine de charbon est attaquée. Ma mine de cuivre est attaquée. Oh brin de brin. Bon bah faut qu'on y aille. Pas le choix là. Faut que je passe à travers, les gars. Pam, pam, pam. Ouah, ouah. Ouf. Ouais, peut-être que je répare mon truc, moi. Dis, on a été longtemps tranquille par les bestioles, mais là, pouf, pouf, pouf. Quelque chose me dit que c'est fini, la tranquillité. Hein. Ouais, j'arrive. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah. Alors, attention aux poteaux, ça serait bien de pas les péter. J'espère qu'ils m'ont pas pété mon train. Parce que là, ça va. Si le train y est, il y a de fortes chances qu'il l'ait pété. Hein. Il va se faire tuer le train. Tout ça pour une seule bestiole. Mais c'est... Mais où? Par où elle est passée? Il y a une super défense. Sans. 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 Il faut se rendre à l'évidence. Cette défense n'a servi à rien. Mais strictement rien. Ah, là des bestioles qui arrivent. Bah le passe où? Ok, bon bah si elle sert. Mais il y en a qui sont quand même passées. On sait pas trop où mais elles sont passées. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, les foreuses électriques elles ont morflé. Est-ce que je peux en refaire là tout de suite? Présentement. Je peux en faire deux. Et pourquoi il n'y a plus d'électricité? Le câble doit être cassé quelque part. Mais août.
Statiste question. Ah, il est cassé ici. Ok. Pop. Voilà, ça remarche. Ah non, elle... Ah si, si, quand c'est violet, c'est cassé. Quand c'est violet, c'est cassé. Plaque. Plaque. Par contre, pourquoi elle marche plus? Ah oui, parce qu'il n'y a plus de... Aïe. Ok. Voilà, ça y est. Alors, il y en a un qui est abîmé là. Hop. Bon, bah, il me manque une foreuse. Mais je peux pas la fabriquer parce que... On manque de plaques de fer. C'est la ligne Maginot, ça, c'est ça, Hotbug? Elle a fait le tour par la Belgique? Allez, hop. J'ai l'impression qu'il passe au sud. On dirait le sud. Après, on peut se mettre une petite... Parce que c'est vrai que là, il y a des bestioles, quoi. On peut se mettre une petite défense ici, hein. Ça mange pas de pain. J'ai de la tourelle. On était venu avec des copains. Alors attends. Deux d'espace. Sans. Un petit peu de mur. Ah ouais, mais attends, faut que je puisse passer, moi. Je reviendrai. I'll be back. Hop. Voilà, impeccable. Où qu'on va, nous? Ouf. C'est une idée ou c'est du gros? Hop, il y a des crasheurs. Ah, brin de brin. Puis il y a des cailloux, là. Bon, attends, on va les attirer. Hop, viens-les. Tiens. Alors, non, j'ai plus d'obus, mais j'ai des missiles. Par contre, ils sont nombreux, hein. Allez, hop. Hop. Est-ce qu'il reste encore du monde en bas? Oh vache! Chaque fois, il se régénère pas mal, hein.
pense qu'il doit plus y en avoir grand main, là. Ah, ils sont déjà régénérés. Hop, c'est bon. Faut pas qu'on reste là, faut pas qu'on reste là. Je pense qu'on a tout eu là. Ah ouais, mais faut pas enrouler dans les trucs gluants là. Je pense qu'on a tout eu. Hop. Allez. On est... Attends. Pendant qu'on y est, on va vérifier que... Bon, ceux-là sont loin. Ceux-là vont poser problème, je pense, ceux qui seront dans la mine de fer. Donc on va aller là. Ceux-là sont loin. Ouais, on va aller s'occuper de ceux-là. Alors attends, je vais peut-être réparer... Oups. Oh, hé, viens là. Hé, Bob. Reviens. Mais, le frein. J'ai pas pris des dégâts quand même. Oh. Je me suis fait écraser par mon propre truc. Attends, je vais vérifier un truc, c'est que on est encore assez de charbon parce que... Le pire, c'est de tomber en panne d'essence en pleine baston. Hein. Ah ouais, il y a un truc. C'est un peu tuyau, ça. Allez, on y va à fond. On y va dedans. Ah oui, il y a des vers. Oh, brin. merci Netflix. Bonjour Zed, j'arrive et je vois qu'on réussit à glander sur Factorio. Merci pour ton prime. Merci pour les 28 mois. Merci pour le soutien de longue date. Oh, hey. Alors, on était où? On voit rien là. Comment on peut faire passer la nuit? Allez, viens dit. Bon, allez, tant pis, je vous écrase. Voilà. Bon là il n'y a plus que des... Il n'y a plus de bestioles, j'ai tué le nid. Je vais prendre le missile. Qui c'est qui bouge encore là? Ah, attention. Paf. Et voilà, c'est bon. Et en plus une future mine de charbon. Que dis-je? De fer. Toujours sur la même ligne, c'est impeccable. Toujours sur la même ligne. Hop. Alors. Non, bon, on va le réparer à la base. Il est encore dans le vert. Hein. C'est bon. Hop, allez. On va quand même finir les protections. Attends, c'est pas là. Il y a eu du mort là. Qu'est-ce qui va nous manquer ici? Quelques mineurs. Mais le problème, ça va être la puissance, quoi. Je pense qu'on peut s'en rajouter quelques mineurs. Hein.
peut se rajouter quelques mineurs, il n'y a pas de problème. Ah oui, je voulais regarder comment on faisait le machin. Ouais, ça c'est pas terrible. Là, il cherche que celui-là, pas les autres. Sinon, passer un 1 en 6... En 6 Un 1 en 4, c'est faisable facilement. Ajouter des batteries, c'est pas évident parce que... Elles sont chargées à fond, remarque, hein. Elles sont chargées à fond. Donc on pourrait en rajouter alors qu'on n'est pas arrivé à la nuit. Donc je peux ramener du mineur, du panneau solaire et de la... Et de la batterie. Combien je peux ramener de panneaux ? Bon, je peux en ramener 4. 4 ou 6. Après, vous allez me dire, non, 6 c'est pas une puissance de 2, donc c'est 4 ou 8. C'est 4 ou 8. L'histoire que j'avais vue, c'était il fallait compter. Il fallait prendre en compte la moyenne de tous les... La moyenne du contenu de tous les coffres. Et donc fallait diviser... Fallait faire la... Fallait prendre le total de tous les coffres. On prend le total de tous les coffres. On divise, là il y a 6 coffres, on divise par 6, donc ça nous donne la moyenne. Et on fait une liaison avec le bras pour lui dire si tu es supérieur à cette moyenne, tu t'arrêtes. Et comme ça c'est les autres qui bossent. Je crois que c'est un truc tout simple comme ça. En fait c'est pas du tout compliqué. Par contre, je vais pas. Après, je vais pas en avoir assez. Il me faudrait 6 câbles rouges. Bon, ben, ok. C'est cuit. Il me faudrait 6 câbles rouges et je vais pas avoir assez de. Ben, je vais avoir que 4 plaques de fer. Ok, ben, il faudra que je ramène ça aussi. Ok, ben, on va aller chercher ça. On va aller chercher ça tranquillou. Comment ça, je pollue? Comment ça, j'ai pas de vignette critère critère JO? J'ai le QR code. J'ai le QR code. Ouah, ouah. Pourquoi tu veux que je ramène de la pierre, Philbur? Des fois, tu dis des trucs bizarres. Hein. Ouah, ouf, ouf. Ouah, ah, ouah, 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 ouah. Attends, je vais où là? Oula! À Houston, il y a une petite falaise. Il y a une petite falaise. Il y a une petite falaise. Où est-ce que j'ai mis la voiture? Normalement, là, je suis dans le logistique. Dans la construction. Et dans la construction, il répare. Voilà. Voilà, il est réparé. Nickel, chrome. Non, des murs, j'en avais assez. J'en ai mort. Ah! Ouais, il m'en restait 4. Donc normalement je suis dans la logistique, il devrait me ramener Il devrait me ramener du fer, du cuivre.
Ouais, j'ai pas fait de fourrassier. Comment on fait des fourrassiers? Les fours en acier, il faut de la plaque d'acier et de la brique en pierre. Ah ouais, ça veut dire que... Si je veux me construire ça... Après... Je peux les prendre là. Ah, c'est pas joli. Tiens, on ne fournirait plus assez de... Ah! Ma mine de... Ma mine de cailloux... A un petit coup de mou. Elle a un petit coup de mou, ma mine de cailloux. Ah, il faudra les prendre ceux-là. Hein, c'est pas évident. Comment on peut aller récupérer cela sans... Bah, il faut mettre une... Parce que là, on amène quoi, ici? Ah, c'est du plastique. Eh, dis-donc, on produit plus de plastique, les gars. C'est normal, ça? Bon, si tout commence à partir en vrille, ça va pas aller. T'as fait la même, Galatil, en voyant les infos. Ouais, moi je regarde même plus les infos. Hein. Je pense que je pèterai le poste. Mais monsieur, laissez-moi passer, j'habite ici. Ouais, vous avez pas de QR code. Suite à l'enquête administrative qui a été menée sur vous, nous avons considéré que vous n'aviez pas le droit de passer. De toute façon, t'es qu'un gueux, t'as qu'à te casser pendant les JO. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne fait plus de plastique? Parce que on a plus de... On a plus de gaz de pétrole. Pourquoi ne fait-on plus de gaz de pétrole? Alors, elle, elle turbine. Donc, on fait plein de choses. On doit avoir quelque chose qui est plein et qui bloque, je pense. Parce que le gaz de pétrole, il est donc utilisé... Ah, bah... Ouais, non, il est utilisé, mais pas tassé. Il faudrait plus de gaz de pétrole. Alors, là, j'ai 55, c'est quasiment vide. Là, j'ai 16, c'est quasiment vide. Et le pétrole, j'ai combien? Où est-ce qu'on le stocke, le pétrole? On fait même pas une petite réserve de pétrole. Ah! On fait pas de réserve de pétrole. On en faisait une avant, non? Je l'ai viré. Ah ouais, il n'y a aucune réserve de pétrole. Donc là, j'ai du pétrole, mais ici, j'ai 67, c'est tout. Ouais, il faut qu'on tamponne le pétrole, hein. Alors, c'est pas compliqué. On va se mettre ici. Il nous faudrait... Alors ben on va péter ça. Hop hop, je récupère mon truc, je le mets là, hop. Et on va peut-être s'en mettre un deuxième si j'ai de quoi. Bon, on est en train de se disperser là, vous allez me dire. C'est mal. On est en train de se disperser. Alors on attache ici et ici. Ben on fait une sortie ici. Alors par contre, il est en train de se remplir. Pourquoi? Est-ce qu'il faudrait des pompes à ce niveau-là pour faire comme pour empêcher le reflux? Est-ce qu'il faut empêcher le reflux ou pas? Ça tease la question. Bonjour Extra. Bon, il faut que je fabrique
Il faut que je fabrique... Ouais, faut que je fabrique ça. Ça, il faudrait des batteries. Donc, je vais rajouter des batteries. Et je vais dire... mais non, pas 200. Ça serait peut-être exagéré. Amène-moi-en toujours 5. Que je puisse construire des batteries. Hop. Pour les fours en acier. Fours en acier, il me faudrait des plaques d'acier, c'est bon. Il me faudrait des briques en pierre. Je lui dis, amène-moi des briques en pierre, Bob. Elles sont où, les briques en pierre? Va, non. Elles sont où, les briques en pierre? Elles sont là? Ah ouais, briques en pierre. Briques en pierre, donne-moi-en... combien il en fallait? Attends, on va regarder. Au moins 20. Il en faut combien pour un four? Il en faut 10. Ça me ferait construire 2 fours. On va en demander 40. Le problème, c'est que là, il va me dire... je les ai pas. Ce qui doit pas être faux. D'ailleurs, ça s'affiche en rouge en disant... Que nenni. Si j'appuie sur L, il me dit... Brique en pierre? Connais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faudrait que j'ajoute... quelque part... Quelque part, là où on produit de la brique en pierre. Ici. Un petit rouge. Ah, ou alors je mets un jaune. Ou alors je mets un jaune, mais je le filtre en disant je veux que de la brique en pierre. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, je prends un nono jaune et je dis tac, charge-moi. Oh, charge-moi. Oh, charge-moi. Charge-moi. Oh, oh. Et là, on dit, j'en veux de la brique en pierre, j'en veux... Donc tu te désactives quand t'es supérieur ou égal à... allez, 40. 30 40 Hop, bloc bloc. Et donc on va y mettre un petit poteau. Un petit poteau. Petit poteau. Petit poteau. Pourquoi il marche pas du coup? Ah. Condition d'activation. Ah, donc c'est inférieur à 40. Tant que tu n'es pas à 40, tu t'actives. Donc il faudrait presque lui mettre... Ah, et du coup là, tu m'en amènes. Ah, il est sympathique. Et quand il en aura trop... et ben il déversera ça dans le bazar. Parce que là le problème c'est qu'il prend tout. Est-ce que je serais pas en train de faire n'importe quoi là? Je me pose une question. Je pose juste une question. Est-ce que je serais pas en train de faire n'importe quoi? Parce que du coup il va être vide. L'autre il se pointe. Ah y'a rien, je repars. Je reviens, je repars. Non, il faut que je lui mette aussi un... Je vais lui mettre un fil vert. Le fil rouge sur le bouton rouge. Le fil vert sur le bouton vert. Et lui, je lui dis... la brique de pierre. Si t'en as plus que 40... C'était 40 qu'on avait mis, hein. Hop. Tu t'actives. Donc là, lui, il va en mettre 40. Bon, pour l'instant, il met rien puisqu'il me les file tous. Mais dès que ça sera bon, en sachant qu'en plus le temps qu'il se bouge, là celui-là il va passer. Non, il l'a chopé. Pop, pop. Allez, donnez-moi les trucs les gars. Donnez-moi les trucs. Qu'est-ce qu'il fallait que je produise sinon? Du panneau solaire. De la batterie. On avait dit combien? 4 panneaux solaires, 4 batteries et combien de foreuses? On a dit qu'on rajoutait combien de foreuses? Foreuse, je peux encore en faire une. Bon, là, les logistiques, ils vont être mal. Hein. Pou, 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 pou. Il va peut-être falloir les faire turbiner, les logistiques. Et puis, des fours en acier, bah, je vais en faire 2. Bon, on va avoir un problème de four. Il va falloir s'occuper des mines de pierre.
Ah, mais j'aurais dû copier le truc, moi. Je suis bébête. Attends, contrôle C. Attends, faut que j'arrête de bouger, là. Attends, je suis où? Je suis là. Et... bloc. Ah, convoyeur gêne. Bah non, il gêne pas le convoyeur. Et comment on peut copier un truc alors qu'il y a déjà des trucs? Comment on fait? Il n'y a pas shift... Ah si, ça marche. Ah cool. Ah par contre, je mets du rouge là. Attends, ça ne va pas cette affaire. Est-ce que j'ai encore assez de poteaux? Petit poteau électrique 16, ça devrait aller. Alors le problème c'est que mes fours, il faut que je les place à la main puisque j'ai pas de four dans le réseau logistique normalement. Normalement j'ai pas de four. Non, j'ai pas de four. Et je peux refaire des trucs en acier. Par contre, un four, j'en avais un autre. Ouais. Bon, par contre, le minerai de cuivre, là, quoique. Il est naze, le minerai de cuivre. Je peux refaire deux fours. Hop. Ah, ça y est, celui-là c'est activé. Ouais, le train vient d'arriver donc ça se recharge. Le train, je pense qu'il va falloir que j'augmente la taille des wagons. Enfin, la taille de ce qu'on emmène. Oui, en fait, il faut que je bloque la sortie, il faut pas que je bloque l'entrée de mes réserves. Je pense qu'on a plus de, on n'a pas de rouge dans le circuit. Ouais, j'ai pas de, je fais pas de convoyeur rouge. Il faut que je les fabrique. Ah, j'en ai deux. Alors, je peux les mettre ici, ici. Ah, mais non, c'était du jaune ici. Où est-ce qu'il y a du rouge alors qu'il manque? Ah, c'était là. Ok. Ça va être bon. Mine, four, hop, je me rajoute un four ici. Ouais, dès que le train est plus là, on n'a plus de minerai. Ah zut, il est déjà parti. Je voulais lui augmenter. Allez, on ramène 800. Mine, hop, il m'en faudrait un autre. Hop.
Et lui, il est arrêté parce qu'il est plein. Quand c'est jaune, c'est que la sortie est pleine. Quand c'est orange, c'est que il n'y a pas d'entrée. Donc là, il n'y a pas de cuivre. Mais le train étant là, pouf pouf, ça va arriver. Pouf pouf, ça va t'arriver. Hop, et déjà reparti. Alors, on en est où? On a 4 panneaux solaires. On est faible en batterie. On a 2 mineurs. Ah bah, je vais en demander 2 autres de plus, ça fera 4 mineurs. Hop, batterie, je peux en demander une. Et bah, il suffira d'une batterie et je pourrais y aller. On va se rajouter des trucs logistiques dedans. Parce qu'on est un peu faiblou. Les trucs logistiques, c'est... J'ai été trop haut, là. Non, c'est ici. Donc, 4 robots logistiques. Non, des robots constructeurs, on en a assez, non? Après, c'est bien. Ah, oh, bah non, t'es mou du genou, là, gars. T'es mou du genou, mon gars. Alors, plaque, plaque... Ils sont déjà partis les autres. Là j'ai de la pierre. Parce que pour faire les fours, faut de la pierre et du fer. On pourrait presque les construire ici. Les fours. Les fours en acier. Ah non, il faut de la plaque d'acier. Ben, la plaque d'acier, elle est là. Je pourrais la tirer et venir la rajouter sur la pierre. Oh, ça pourrait être pas mal, ça. Non? Ça pourrait ne pas être bête, cette histoire-là. Surtout qu'après, il n'y en a plus. Donc, attends. Si je fais un petit truc dans ce style-là. Pop, pop, pop. Donc ça veut dire je mets un répartiteur ici, pépic, pac. Bah on se met là, hop, un petit tunnel ici. Hop. Merci les gars. Donc là, ici, on va dégommer moi un peu ça. Non, le train, un train dans un sens et un train dans l'autre, non. Tant que le train est pas à pleine capacité. Donc tant qu'on n'a pas... Là, actuellement, la gare, elle peut décharger 2 wagons. Donc on peut aller jusqu'à 2 wagons pleins. Et ça va pas passer, ça va pas poser de soucis incommensurables. Par contre, ça veut dire que derrière, faut l'extraire ces machins-là. Et ça va être plus chaud du coup. Il me faut une usine. Est-ce que j'en ai une sur moi? Bon, on va la mettre là. Hein. Pouf pouf. On va la mettre là. Et donc on dit que. Eh ben, il nous faut... là, ce qu'on veut faire... C'est... du four en acier. Donc, il nous faut de la plaque d'acier et de la brique. Oh là là. C'est pas un problème. Pop, hop. Plus... Ouais. Un petit jaune... Parce qu'on veut pas un rendement de folie. Et donc il va falloir le sortir. Il va falloir le sortir quelque part ici. Donc on va jouer. Et il faudrait mettre un petit potal
On voit un peu rien là. Hein. Voilà. Ah ouais, on avait loupé un truc. Hop, ça va être mieux. Alors donc, on va... On va se mettre un coffre. Alors les coffres, ils sont ici. On va plutôt se le mettre ici. Donc là... Truc... Ah oui, attends. Ou alors, attends, on fait un truc beaucoup plus youx. C'est-à-dire, on sort ici. On le met comme ça. Et on installe le coffre... ici. Pop. On met une petite lumière pour dire de s'y retrouver. Il nous faudra de l'électricité. Ça, c'est pas un problème. Pack. Pack. Sauf que apparemment il est pas électrifié le truc. Oh ben il est trop loin. Oh là 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 là. Oh bah attends, si c'est quitte à faire des trucs de tordu, autant faire ça directos. Donc là, hop, et on fait une sortie. Hop hop. Donc là, tranquillou, tranquillou. Alors le... Je vais demander un petit câble rouge. Ouais, oui, c'est un mode, c'est le col de bouteille, le bottleneck pour les petites lampes. J'ai vu ça dans un tuto et j'ai trouvé ça sympa. Pop pop. Donc c'est un mode. Donc du coup, j'ai regardé comment on installait les modes. C'est assez simple. Bah, c'est le menu principal, il y a mode et puis on peut télécharger et on cherche bottleneck, on l'installe et pouf, on l'a. C'est hyper simple. Par exemple, vous voyez le comment ils font Mojang avec Minecraft? Eh ben... Factorio, ils ont tout compris, c'est intégré. En plus, apparemment, ça se code en LUA. Il y a deux manières de faire dans la vie. La bonne et puis comme dégoré. Voilà. Donc... Ah oui, alors je voulais tester un truc. Est-ce qu'on peut relier... Attends, je voulais bloquer celui-là. Mais il faut déjà... Oui, est-ce que je peux en fait relier ce coffre-là... à celui-là. Le câble ne peut pas l'atteindre. Est-ce que je peux pas... Il faut que je passe par des... Ah, il m'en faut plusieurs. Ah brin. Alors Factorio, il a été pensé dès le départ pour le pour les modes, pour le l'ouverture au monde. Alors que Mojang, ils ont dit non. Désassembler mon code, essayer de comprendre comment il marche. À chaque nouvelle version, eh ben vous galérerez. Et donc là je fais ici et là je fais ici. Et donc lui, normalement j'ai accès au four en pierre. Et je dis donc active-toi si j'en ai moins que 5. Donc là il devrait être désactivé parce que ici, j'en ai 21. Si je les enlève, voilà, ils s'activent. Hop, je les remets, ils se désactivent. Vous avez vu celui qui est là? Hop. Ah oui, mais il faut qu'il en fabrique un, bien sûr. Voilà, hop, et hop. C'est formidable. Donc bien sûr, si j'aurais pas dû mettre ça, mais j'aurais dû mettre un rouge. Le problème, c'est que les rouges... où je mets un jaune avec un filtre... ils sont où les trucs rouges? Ils sont là. Hop, on va en fabriquer. Oh, mais attends, je suis bête, il y en a là-haut.
J'avais pas besoin de le fabriquer. Oh, mais je suis relou, hein. Donc là, je mets un rouge. Et comme ça, je peux demander à avoir toujours sur moi... allez, au moins deux fours électriques. La base. Plop, plop, plop. Et j'ai deux fours électriques. Oh ouais, formidable. Bon, donc on est tout bon. Et donc là, il... Hop, hop. Ah, il était faible en entrée. Ouais, de toute façon, les briques c'est faible, hein. Bon, en acier, on est bon. En fer, on est bon. En cuivre, c'est pas ça, mais on sait pourquoi. Donc, on va aller notre mine. On va aller notre mine de cuivre. Hop, donne-moi du cuivre. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? 4. Non, il me faut encore une batterie. Hop. Donc, 4 panneaux solaires, 4 batteries, 4 mineurs. Tout par 4. Les puissances de 2, il n'y a que ça de vrai. Les puissances de 2, il n'y a que ça de vrai. Les puissances de 2, il n'y a que ça de vrai. Vrai, vrai. Est-ce que j'ai de quoi me faire des petits câbles pour faire mumuse là-bas? Parce qu'on va faire mumuse avec les câbles logistiques. Oh, hey, je croyais que tu allais me ramener quelque chose, toi. Cochon de l'espace. Alors, est-ce que le train est là? Je vais le prendre. Oula! Ouais, cool! Ça, c'est ce qui s'appelle prendre un train en marche. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce feu rouge? Ah, j'ai morflé. Prendre le train en marche, je crois que j'ai laissé des bouts en route. Alors, on va le mettre en manuel pour pas qu'il parte sans nous. Pendant qu'on fait notre petite affaire. Alors, déjà on va rajouter. Alors j'aurais peut-être dû en prendre plus. Pop. Et 20 pierres. Donc, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Ah, est-ce que j'ai de quoi? Ouais, tac, tac. Alors, si on fait quelque chose. Ah! Ah! Bah tant pis, on va le faire par ici. Il faudrait qu'on ramène du remblai. Est-ce que j'ai de quoi faire du remblai? Oui, mais ça va peut-être pas être assez juste. Le remblai se fait avec... Ah, des pierres. Et je peux en faire que deux? Oh! Oh, ça y est, c'est déjà fini. Eh ben, dis donc. Alors, plaque et plaque. Plaque, plaque. Voilà, on a rattaché le truc. Nos 4 accumulateurs. Eh ben, on va en mettre un là, un là. Et on va être trop loin. Hop, voilà. Ah, encore un. Eh ben, alors, voilà. On est à peu près symétrique, hein. Ah, il en faudrait deux là pour que ça soit fini. Oh, ça ressemble à un vaisseau spatial. Ça ressemble à un vaisseau spatial. Bon, on a fait ça, donc maintenant on rajoute les mineuses. Pop, pop. Pop, pop. Pop, 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 pop. Où elles sont? Elles sont là. Hop. Donc là, on peut en mettre une. Ah, non, on peut pas en mettre une parce que le poteau gêne. Qui est-ce qui a été mettre un poteau là? Non, mais sans blague. Hop. En face, on en met une. Tac. Et puis, on peut en mettre une ici. Tac. Et donc, on va rajouter un petit potal ici et un petit potal ici. Et j'en ai encore une. Ouais, encore une. Alors, ce qu'on pourra se préparer, c'est une deuxième ligne. Une deuxième ligne de cuivre. Alors, on peut les coller, hein. On n'est pas des monstres. Même si elles vont travailler dans la même zone, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Ah, elle n'est pas électrifiée, celle-là. Tac tac. Ah brin. Mais on va y arriver. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Bon, on va le mettre là pour l'instant. Mais c'est pas forcément bon. Alors, on va le repasser en automatique. Pendant ce temps là on va faire notre truc là. Ce que je voudrais faire, c'est virer le répartiteur.
Donc on met tout le cuivre qu'on a récupéré ici. Hop. Si on fait comme ça, c'est le premier, le deuxième, un petit peu le troisième qui se servent. Ça ne remplit jamais le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. On va se faire... Et puis on va se faire des câbles verts. Alors que, et que j'essaye de... T'as des poteaux toi? Ouais, plein. T'as vu? J'ai des poteaux en bois, j'ai des poteaux en acier. J'ai des poteaux en fer. J'ai tout plein de poteaux. Attends, je vais me remettre en mode... Hop. Donc on voit qu'il charge surtout le premier et le deuxième. Donc, ce que j'ai vu... Mais j'ai rien noté. Ah, attends. Tac, 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 tac. Donc j'ai tout relié. J'ai surtout fait une bêtise, attends. Non. Non, j'ai pas fait de bêtise. J'ai tout relié les rouges. Ah, il faut un calculateur. Est-ce que je les ai, les calculateurs? Comparateur. Je crois que ça va être chaud. Hein. J'aurais mieux fait une, plutôt que de regarder un tuto bêtement sans rien noter, j'aurais mieux fait de le noter le truc. Hein. Parce que là, je vais me ramasser, je vais être ridicule. Donc il me faut du rouge pour relier lui à lui. Et lui, je dis que l'entrée, c'est le minerai de cuivre. Et je veux le diviser par 6. Et ma sortie, c'est le minerai de cuivre. Donc en tout, j'en ai 500, 515, signaux en sortie, ma moyenne c'est 88. Donc ce qu'il faudrait, c'est que... Si je relie ma sortie à ce robot-là, et à lui... Ah non, ça va pas le faire. Attends, la sortie, elle doit être... Elle doit être différente, la sortie. Parce que là, il va pas savoir. Condition d'utilisation, il est dans les choux, là. Ah non, et en plus, c'est une valeur constante. Ouais, bon, faudra que je regarde mon le tuto. Ça c'est malin. Ah bah ça c'est malin.
Artillerie, on est toujours qu'à 48%. Hein. Après, l'autre solution, c'est de tirer un câble électrique. Je pense que c'est ce qu'on va finir par faire, parce que là... Oh, dis donc, on va finir par titiller celui-là, là. Cela, ça va. Ouais, va falloir se méfier. Ah, j'aurais dû repartir avec. Oh, il travaille pas, lui. Ah, c'est que l'électricité était pas optimale. Bon, là, ils bossent tous. Donc là, j'ai divisé en 4. Il y en a 2, 1, 1, 2. Donc celui-là se charge pas. Il n'y en a pas assez qui y arrivent. On a deux problèmes, l'électricité, puis après, bon, le nombre de mineurs, ça, c'est pas un problème. Le nombre de mineurs n'est pas un problème, on peut en rajouter pas mal. Compter après, c'est le ratio de combien on a besoin de cuivre pour que l'usine fonctionne tout le temps, quoi, à 100%. Hop. Ah bah là, c'est fini. Capri, c'est fini. Bon bah, on peut les rajouter. On va les rajouter là. Hop. Pourquoi elle marche pas? Ah, parce que le truc est plein. Ok. Elles viennent en secours. Elles viennent en secours en fait. Elles viennent en secours quand le train a complètement fini de se décharger. Bon, le train est parti. Poup, 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 poup. Donc pour le déchargement, c'est moins un problème que ça soit tout rempli. Là, ça se décharge de manière égale. Alors maintenant que ça a fini de se décharger, ici ça prend le relais. Salut Edgy, merci pour le raid. Edgy Yen, bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors on va aller voir un petit peu. Pourquoi ça n'avance... Ah, l'artillerie, elle a fait un petit bond. Elle a fait un bond à 50%. Salut Calypso. On va essayer de voir pourquoi... Bon, ben, pour produire du verre, on demande beaucoup de... On demande beaucoup de fer.
Haha, E de cuivre. Donc c'est là que ça péchoue. Pop, pop, pop. Et donc on arrive en haut. Oula. Mais pourquoi je tire pas dessus? Ah, faut être vachement près, dis donc, pour les avoir. Ah, il est de l'autre côté, lui. Comment il a fait? Ah, puis il nous a pété une... Oula, attends. Pas que je reste dans le bazar vert. Je vais mourir. D'où ils viennent? Ah, il y a un groupuscule ici. Ok, bon ben... Aujourd'hui, c'est bien, on tue de la bestiole. Et Ah ouais, du coup, ils ont quand même dégommé ce truc-là. Heureusement que j'avais mis un truc, hein. Alors là, on est hors réseau logistique. Donc, il n'y a pas de réparation possible. Parce que ça aurait été pas mal. Alors, réseau logistique, pop, 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 le prochain il est là. Est-ce que j'en ai un de roboport? Ouais. Il est pas électrifié. Comment ça il est pas électrifié? Ah, attends. Paf et paf. Alors au niveau... Donc au niveau réparation ça va parce que ça va juste que dans le coin là-bas. Le logistique c'est l'orange, le construction, destruction, réparation, c'est bon. Là il devrait y avoir des robots qui vont se pointer. Mais ils nous en ont quand même pété un. Hop, voilà, c'est pour ça que l'autre est passé. Donc là ils nous ont pété une tourelle. On va la réparer. On va peut-être même en mettre... Ah, ils l'ont pété d'ici, ouais. On va en mettre deux. Est-ce que... Ah, attends. C'est en cours de réparation, impeccable. Alors par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est se doubler... Ah, pas tasser. Salut G1. Aujourd'hui, on glande pas. On bute de la bestiole. Qu'est-ce que je suis parti chercher? Des munitions et du mur. Ah, de la tourelle. Combien il m'en reste de tourelle? 11, c'est bon. De la munition. Hop, je la prends. Et du mur. Alors le mur c'est spécial, c'est ici. Ah oui, on aurait pu produire 10 000 de circuits électroniques. Il est fort tort. Ouais, là on aurait pu piquer les trucs au passage. On peut les piquer ici, hein. On peut refaire le coup d'un petit bras jaune. Un petit. Alors, du coup, est-ce qu'on pose un. Ouais, on peut. On peut, on peut, on peut. Prenons l'habitude de mettre des trucs qui vont bien. Donc, il me faudrait un coffre rouge. Au passage, je vais en prendre plusieurs. Ouais, bah 10, ça serait pas mal.
Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Ah oui, le mur. Il est où? Il est où le mur? Il est là. Par contre, là, comme il y a deux trucs, il me faut un... Il me faut un violet. Et que je lui dise... seulement du mur. Ich bin... vouloir du mur. Ensuite, je lui, mets un... je lui claque un rouge. Hop. Ensuite, je lui claque un fil rouge. Tac, tac. Et là, je lui dis... mets-moi du mur. Active-toi si tu es... non, désactive-toi si tu es supérieur ou égal à... 40 murs. Hop. Donc, on met de la électricité. Hop. Et pourquoi tu t'actives? Bon, c'est toujours l'inverse. Bon, si ça marche pas dans un sens, c'est que c'est dans l'autre. Donc, active-toi si tu es inférieur à 40. Le mnémotechnique, c'est dire active-toi si. Et non pas activer, désactiver, c'est pas clair du tout. Ça y est, déjà 40? Oh, brin de brin. Bon, ben hop, à moi les 40. 20 non. Oui, et puis on va les tuer de la bestiole. Donc on a de la... On a de la tour. Ah oui, il nous faut du... Il nous en faut. Hop. Ah ouais, du coup on en fait pas beaucoup là. Ah ouais, à cause du cuivre. Toujours, et le problème du cuivre. On n'est pas bon en cuivre. On n'est pas bon du tout en cuivre. Salut Matorna. Bonne pause à toi. 17h26 d'ailleurs, moi je vais me faire une petite pause. Je vais t'aller goûter. Alors on est faible en plastique, on est faible en pierre, on est faible en cuivre. C'est une catastrophe. Salut Patrice. T'as pas encore le canon? Non, 53% pour le canon. Sinon on l'aurait testé, hein. Ah oui, il me faudrait des nobus. Les missiles c'est bon. Comment on fait les nobus? Nobus, c'est 12. Eh ben, je vais en demander... Ah ouais, faut des explosifs et du plastique. Ok. Là où je vais être faible, c'est en explosifs. Non, 17. C'est en plaque d'acier. Hop. On devrait faire de l'adamantium. Ouais, c'est dans des mods, ça. Il faut des mods spéciaux pour avoir ces bestiaux-là. On n'est pas assez fort. Et merci Patrice pour ton prime. Merci à toi, gros bisous. Allez, viens à moi les petits robots. Oui, venez me donner des choses. J'aime ça. Non, mais je pense que pour résoudre les problèmes d'électricité de mes mines lointaines, on va tirer une ligne. On va tirer une ligne électrique. Alors, le jour... Elle sera, il pompera rien parce que le système il sera autosuffisant puisqu'il y a des panneaux solaires et des batteries. Et la nuit, ça pompera sur le réseau, je suppose. Hein. Je suppose que ça va marcher comme ça. C'est pas des Suédois qui l'ont programmé. Et là, hop, manque de bol, vous me dites, ah ben si le programmeur de Factorio est Suédois. Ah zut. Personne n'est parfait. À ce propos, je m'aperçois ici que s'il y a besoin de mineurs, il y en a ici. Donc pour la mine de cuivre, allez, si on y retourne. Et puis pour le, pour tirer les trucs, il va falloir 5. C'est les gros, ça, hein, les gros poteaux électriques. Porter du câble 30. Ça, c'est bon, ça. Allez, hop, on va commencer ça. Et puis on va les buter. Donc j'ai mes obus. Ouais. Allez, on va les buter de la bestiole. De toute façon, c'est le titre de l'épisode. On bute de la bestiole aujourd'hui. Fini d'être gentil. On a été trop gentil avec les bestioles. Ouais. Alors, je prends mon tank. Avec mon petit tank.
Allez, on le charge à bloc. On va où? Où est-ce qu'il faut aller? Là. Ouh, c'est à l'autre bout du pays, ça. Comment on va faire? On va peut-être contourner le truc, parce que passer à travers le bus... Alors, J1, il dit, non, ça va, c'est des tchèques de Prague. Ok, bon, ouf. Ah, parce que les programmeurs suédois, c'est bon. Hein. Toujours pas fichu de nous mettre des dalles verticales. ah ouais, alors attends, j'avais dit de faire le tour. Est-ce que c'est vraiment intelligent de faire le tour? Ah, brin. Et même quand je suis dans le... même quand je suis dans le bus, ils m'amènent des trucs, les gars. Ils sont cool, eh. Hey, ça, est-ce que ça avance tous? Ah ouais! Non, mais c'est pratique, le bus! Attends, faut que je recule. Hop. Y'a même pas besoin de dépenser d'essence. Eh, hey, dis donc, ça me donne des idées, ça. Ah. Ouf. Ah. On arrive à la fin. Ah ouais, mais il y a la forêt là. Ah, oh, puis elle est hyper dense celle-là. Glande. C'est à ça qu'on reconnaît un bon joueur de Factorio. C'est à son coefficient de glandage. Moi j'ai un coefficient de 15. C'est comme la finesse pour les planeurs. Quelque chose me dit qu'il va falloir dézoomer. Ah, c'est bon. J'ai trouvé un passage. Attends, on va passer à droite. Enfin, à gauche. À gauche du tank, mais à droite de... 15 sur 15. 15 sur 100. Mais non, c'est comme la finesse. Il n'y a pas de limite. C'est comme l'école... C'est comme... comment ça s'appelle, les trucs de Richter. Alors, attends, on va passer à droite. Parce que j'aime bien les voir à gauche. Attends. Oh, dis donc, c'est un gros nid, eh. Oh. On va encore prendre cher. Attends, j'ai fait quoi de mes obus? Ils se mettent là. Par contre, on va pas les dépenser comme l'autre coup, quoi. Hein? Bande de voyous. Voilà, c'est bon. Je suis à 200 des deux côtés. On est prêt à y aller. Ils sont là, les bestioles. On est prêt à y aller. Oh, il y a des nids de crasheurs. Ah, cool, il y a plein de crasheurs. On aime ça. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ils sont en train de se manger eux-mêmes. Ah, mais c'est répugnant. Allez, on les écrase. Tiens, pang, pang, pang. Pang, 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 pang. Tiens, pang, pang. Oula. Qu'est-ce que t'attends pour tirer? Oh. Faudrait que je... Faut pas que je fasse comme ça. Elles sont increvables, ces bestioles là. Allez, on passe dedans. Ah. Voilà. Oh. Non, on va faire autrement. On va faire autrement. Ça ne peut pas durer comme ça. Déjà, on va réparer un petit peu notre automobile.
Voilà. On va se poster. On va utiliser une nouvelle stratégie. Limite, on peut même un peu... Du coup, je suis déjà abîmé, moi. Je viens de me réparer. Pas atteignable. Oh, brin! Fatigue. Par contre, j'ai plus de munitions. Ah, c'est ballot, ça. Ah, j'en ai là. Attends, comment on peut faire? C'est... Contrôle. Non, il a tout mis sur un quand je fais contrôle. Comment on fait pour les mettre en série? J'y arrive jamais, ça. C'est compliqué, ce jeu. C'est un peu compliqué pour les vieux. Là, j'en ai 50. Là, j'en ai 23. Je vais en mettre 48. Là, j'en ai 25. Où elles sont parties, toutes mes munitions? Là, hop. Allez, 50. Ça devrait aller. Allez, on y retourne. On les attire. Ouh. Hop, on passe derrière. Ah. Allez, hop. Viens là. Et hop. Pop, on a peur de rien, nous. Assassin. Après, ils viennent tout seuls, hein. Bon, maintenant, on va s'attaquer au gros... Ouf. Il y en a encore beaucoup. Salut, t'es comment? Alors, faudrait peut-être commencer à s'attaquer au truc là. Mais il y a encore beaucoup de bestioles, hein. Il est trop loin, le truc. Et elles ont le temps de se régénérer à chaque fois. Salut Lynn. Quand même que je vise, ça a l'air plus intéressant quand je vise, en fait, hein.
Pourquoi je bouge pas là? Ah! On va y arriver, on va y arriver. Mais non, ça va pas mal finir. Regarde, on est bientôt à la fin là. Ils sont quasiment tous morts. Je crois que c'est fini là. Ah vache. Sacré niais. Et c'était vachement près de notre base, eh. Tu devrais... Patrice dit, tu devrais focus les cracheurs en premier quand tu passes, comme ça à côté, après tu tiens juste à tirer... ouais. Alors, bon, je précise que je suis quand même un peu nul en PVE, même si ça pourrait... Je suis un peu plus à l'aise qu'au début du jeu. J'ai pas beaucoup, beaucoup d'heures de jeu, hein. Une petite centaine. Donc, bon, on va être tranquille un moment. Je pense qu'on va avoir... Le prochain auquel on va avoir des problèmes, c'est cela. Hein. Au nord. Tu veux qu'on aille par là? Bon, là, je peux récupérer mes défenses. Elles servent plus à rien. Je pense, hein. Ah. Bon, les murs, ah, j'en ai plus. On récupère. Allez. Ah, les sales bêtes. Les murs, ils les ont jamais atteints. Ils servaient à rien. Quand t'as un réseau, rien que de 4 trucs, ça suffit. Oh, tiens, je vais réparer un peu. Hop. Est-ce qu'il nous reste de l'essence? Au nord, il y avait les corons. C'est où le nord? Ouais, enfin, où est-ce que... Ah oui, c'est au-dessus du... Bah, il faut qu'on retraverse la forêt maléfique. Non, mais je me suis déjà quand même bien amélioré. Soyez honnête. Je me suis quand même bien amélioré par rapport à... au premier nid que j'ai fait, hein. La vision nocturne est aussi un confort, ouais, ouais. Surtout pour les streamers, je pense. Pour les spectateurs. Pour le streamer, oh. Moi, je vois dans le noir, je suis noctalope. Nuctilope. Je sais ce que J1 va dire. Et c'est pas joli. Ouf. Bon bah voilà, ça c'est fait. J1 dit honnêtement, je ne pensais pas que tu tiendrais sur ce jeu aussi longtemps. Que je devienne pas addict. Après les bestioles, on les a amoindries là. Hein. Elles sont beaucoup moins lentes, beaucoup plus lentes. Ouf. Ah, je suis bloqué. Oula. Oh, c'est pas bon ça.
Bon bah voilà. Oh, il y en a encore un autre là-bas. Non, mais faut arrêter peut-être de les embêter, les bestioles. Hein. Peut-être que si on arrête de les embêter, elles viendront plus nous embêter. Il y a celui-là qui... Mais il est complètement à l'autre bout. Hop. Allez, on rentre. Ouh là là. Ah non, c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter avec les bestioles. Faut dire... Bon. On rentre et on goûte. C'est important le goûter aussi. Oh, où est-ce que je passe là? Attends, passer par là. Poc. Drôlement bien les bruitages des... Ouf. Bon, on a un petit problème de... Ouais, on a un petit problème, hein. On a notre recherche qui fonctionne à 20%. Parce que il nous manque des bouteilles jaunes. Non, on va goûter... Ouais, 17h46. Oh vache, j'aurais dû goûter à 17h30. Il y a les robots réparateurs qui arrivent. Oui, 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 oui. Oh, il est parti. Pourquoi t'es parti? Viens me réparer. Est-ce que je le range là par contre? Non, je le range plus au sud. On dirait le sud. Je vais le garer là, le bar. Normalement, je suis toujours dans la zone. Ouais, je suis dans la zone de réparation. Donc je vais faire la petite pause goûter 3-4 minutes, comme d'hab, et on se retrouve juste après.
Et re... Alors... Qu'est-ce qu'on doit faire? Augmenter la production de cuivre. Augmenter la production de cuivre. Salut Mikadax. Donc, on va amener de l'électricité. Oh oh. Oh non! Non! Les sales bêtes! Bon, on va y aller en train. On attend qu'il se décharge ou... Ah! Il n'y a plus de... Ok. Il n'y a plus de gare. Ils ont détruit la gare. Bon ben on prend le tank. Ah. Mais... Ah mais c'est pénible cette affaire là. Ouais, on sait que y a une alerte, ouais. Oh mais hey, oh. Bon, ça sent que on va faire un tour avec l'explosif de falaise, hein. Pourtant j'ai nettoyé là-bas. Ah, j'aurais pu prendre le train en manuel, je suis bête. J'aurais été plus vite. Ouais, il marche plus en automatique parce qu'il n'y a plus la gare, mais j'aurais pu le prendre en manuel. Alors, elles sont où? Oh, brin. Elles sont où ces damnées bestioles, là? Il n'y en a qu'une, hein. Et elle a pété la gare. Est-ce que j'ai quoi refaire une gare? Ouais. Est-ce que ça va suffire de la replacer la gare? Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Elle est où ma gare? Elle était où? Comment on sait où elle était C'est pas clair. Ah bah si, on le sait avec les wagons. Elle était là. Donc est-ce qu'elle a repris? Mine de cuivre. Ok, elle a repris son nom. Donc le train devrait arriver. Ouais, il est parti. Pourquoi il n'y a plus d'électricité? Parce qu'ils ont dû péter le poteau. Les poteaux aussi, c'est pas clair. C'est pas tout... Ah, ils ont... il a été pété ici. Non. Ah bah ici aussi. Ok, il y a deux poteaux qui ont été pétés. Voilà, ça y est, c'est parti. Allez, et oh oui, puis ils ont pété du... Ah. Encore un. Voilà, on livre. Ouais, une bestiole suffit. Alors, elles sont passées où? Déjà, d'où elles viennent? J'ai fermé ici, fermé ici.
On va fermer là, mais probablement du nord. Elles viennent de là. À tous les coups. Ça m'étonnerait que ça vienne de là. Hein. Bon, on va les fermer. Ouais, on va les fermer par ici. Ah, quoique. Ouais, il y en a. C'est peut-être du sud en fait, hein. On va faire une zone. De la tourelle. Vous ne passerez pas. Par contre, ouais, j'ai plus beaucoup de. Que c'est celle-là qui... Ouais, du coup, on a... Ouais. On va aller voir là-bas quand même ce qui se passe. Et on refera le tour, on descendra, puis on pètera ce... On pètera la tronche de ceux-là. Hop. Ils ne passeront pas! Rien alors. C'est super super sauf. Hein. Allez, on redescend. Alors, on va tâcher de passer par ici. Oh. On va essayer de pas péter les arbres. Oula. Mais pourquoi il tire pas? Ah. Et pourquoi il tire pas cette andouille? Ah, il a plus de munitions. Mais quelle andouille! Il a plus de munitions. Ah, carrément. Alors attends, on va faire un transfert. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? D'ici à ici. Allez, peut-être un peu plus. Voyons, c'est un quoi ça? Ah, c'est les évolutions blindées. Bon, c'est bon. On l'a eu le truc. Bon, celui-là, il est très très loin. C'est impeccable. Celui-là, il est pas si loin que ça. Hein. Par contre, je commence à être faible en munitions, moi. Attends, je sors comment? Et puis, il faut que je répare mon... Faut que je répare mon engin. Ah,
Mais arrête de bouger tout seul. Le frein à main, tu connais? Oh, j'en ai bientôt plus de kit de réparation, moi. Ça marche comment? Ça marche avec du fer et du cuivre. Ok. On va essayer de ne pas repéter la forêt qu'on a fait gaffe à l'aller. Oh, c'est un tout petit camp, ouais. Je te les écrase, ces bestioles-là. Ah ouais, le gros bleu il crache. Ah, je prends cher. Bon, on va faire autrement. Non mais arrêtez de... C'est bon. Oh. Pourquoi il tire pas? Tiens! Ah, il est déjà sec. Ok. Bon, alors... sans munitions, ça va être dur. On peut y aller en aux obus pour casser les gros trucs. Attends, ils sont où? Ils sont plus haut. Qu'est-ce qui reste? Paf. Hop, on repasse aux obus. Qu'est-ce qu'il y a encore à péter? Il y en a un gros là à péter. Hop, ça y est. Ah, encore un. Paf, voilà, c'est bon. Hop, on repasse aux balles. Que c'est bon, on a tout eu là. Ah, puis quand il y en a par terre, on le récupère, c'est pénible. Hop. Ouf. Allez, c'est bon. À ce coup-ci, on a éradiqué toutes les menaces. Alors par contre, pour rentrer, c'est un peu pénible parce que j'ai bouché toutes les sorties. Il faudrait presque que j'aie une porte que les autres puissent pas franchir. On peut laisser ça ouvert, hein. Maintenant il n'y a plus de risque. Bon, ici, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je ramène de l'électricité.
Au niveau mineur, bah j'en ai pas. De toute façon, j'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé à des bêtises. Satisfaction qui chute d'un coup. Pouf. Dès qu'il fait nuit, c'est terrible. Bon, je vais ranger le camion. Et puis on va revenir mettre de l'électricité. Les batteries, ça éclaire la nuit, c'est cool. Oh, mais c'est pas possible, ça. On est arrivé ? Ça y est, réparé. Alors, bah déjà la logistique va nous ramener tout ce qu'il faut. Et il va falloir des poteaux, alors des grands poteaux électriques. J'en ai 5. Il va en falloir beaucoup plus, donc il nous faut de la poutrelle d'acier. Ah, le cuivre est bien là. Alors on est mou du genou en... On est mou du genou en plastique. Parce qu'on est mou du genou en gaz de pétrole. Alors on est mou du genou en gaz de pétrole parce que je pense que ce qui nous manque c'est une raffinerie. Hein. Faut pas... Je pense qu'il faut pas tortiller... Donc on va se rajouter une raffinerie. J'en avais pas une de raffinerie. Si, j'en ai une. Oh bah, hey. Il faut juste la mettre dans le bon sens. Bloc. Puis lui mettre de l'électricité. Et puis lui raccorder. Il faut lui raccorder quoi? Il faut raccorder le pétrole. Ah, déjà. Attends. Faut lui dire on veut produire de ça. Hop, donc le pétrole en haut, poc, et de l'eau en bas, et hop, cette turbine. On a doublé notre capacité à faire du gaz de pétrole et faire de l'huile. Du coup, tout est raccordé ici. L'huile lourde et l'huile légère. Bonsoir, Dominiche. Après le goûter, souvent on dit bonsoir. Du coup, ici, on devrait avoir un peu plus de... Après, on peut aussi augmenter si on a beaucoup de...
Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Il va falloir augmenter le nombre de... Non, c'est pas extraordinaire. Et c'est pas plein, surtout. C'est loin des points. Un réservoir, c'est 25 000. Donc c'est pas du tout à flux tendu. Faudrait presque augmenter le nombre de raffineries. Est-ce que je peux fabriquer d'autres potales? Ouais. Faire une raffinerie, c'est combien? Il faut beaucoup de plaques d'acier. Alors, je calcule pas les ratios, hein. Je regarde quand ça manque, je rajoute. Je suis en mode... Ah ouais, même en construction ici. Donc je pourrais presque dire POC. Ça serait cool. Alors par contre pour l'autre ici c'est bloc. Après je les ai sur moi, hein. C'est vraiment parce que je suis feignant, hein. Pique-moi, on en fabrique, mais on se porte. Est-ce que je peux la faire, la raffinerie? Non, il va me manquer des plaques de cuivre. Des plaques d'acier. Toc toc. C'est normal le rond orange? Non. Le rond orange, c'est que il n'y a pas de pétrole. Orange, c'est quand il n'y a pas d'entrée. Jaune, c'est quand la sortie est pleine. Donc il n'y a pas de pétrole, donc il va falloir bosser aussi sur la raffinerie. On n'a rien fait sur la raffinerie. Mais bon, la priorité, ça va surtout être de... Ah oui, donc du coup, là, on produit plus rien du tout. Ouais, il n'y a plus de... Plus de plastique, plus de soufre, plus rien du tout, du tout, du tout. Ouh là 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 là, la dèche complète. La dèche complète, là. Ouais, on est à pouillème de rien pour le pétrole. Hop. Du coup, ça sert à rien de rajouter de raffinerie. Non, on va mettre... tac, tac, tac. On va vraiment se faire l'électricité, là. Donc, on va partir comment? Pour l'instant, on va partir de là, on verra après. Et on va partir en diagonale, en traviole, là. Toc, 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 toc. Jusqu'au champ pétrolifère. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Des droits ou de la diagonale? Du coup, tout le fer... Ah oui, le fer n'est pas employé, donc il sort pas. Être feignant, c'est une qualité, voilà. Bah, c'est une qualité d'informaticien, de joueur de Factorio. C'est bon pour tout, la fainéantise. Ah, tiens. Ouh là là, bah, la mine de... Notre mine initiale de fer, c'est fini. Ah, il en reste un petit peu à récupérer ici et ici, donc à chaque fois je perds les mineurs. Oh bah non, c'était bon comme ça. Hop. Oh ben, bah, hop. Du coup, ça on peut l'enlever. Ça on les garde. Bon, ça. Oui, on pourrait refaire plus... On verra quand on la démontrera complètement. Alors, j'ai dit qu'on récupérait le culant.
Le curant, on le récupère d'ici. Alors. On passe à travers le nid de bestioles. Où est-on? Oh vache, on est loin. Voilà, tout est relié. Donc là maintenant on est sur un circuit à 11 MW. Qui du coup est alimenté également par des 300 kW fournis par 5 machins. C'est bien. Combien il m'en reste 6. Alors 6, est-ce que je peux... Donc ça c'est le pétrole. Bah, il va falloir l'améliorer ça. Hein. Bon, on reviendra avec des chevalets de pompage et tout ça. Ouais, parce que c'est un peu mou du genou. On va en mettre par... on va les mettre partout en fait. On va tout sortir sur les chevalets. Hein. Pop, pop, pop. Donc, je vais passer là. Là, hop. On va ressortir un... Là, plap. Hop. Ouais, parce que là, le mieux, c'est de... Ah non, on peut couper. Ouais, on va couper. Ah, quoique là, il y a les arbres. Hop. Ils sont pénibles, les arbres. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont un peu pénibles. Hop. Ah oui, mais je passais là avec le tank. Et j'en ai plus. Ok. Et ben on va repartir avec le train. Hop. Ouais, j'ai 12 mineuses pour le... 12 mineuses pour le fer. Pour le fer. Et j'ai que 4 bras pour charger. Après on demande, on fait des voyages à combien là? À 750. Non mais je suis prioritaire là. Ouais, donc faut qu'on se fasse des... Donc priorité, l'électricité. Mais également, les chevaliers de pontage, il faut des plaques d'acier. Je vais aller chercher la source. Parce que j'en ai marre d'attendre que les bestioles, elles me rechargent, là. C'est où? Pop, 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 pop. Attends, c'est quoi ce truc? C'est énorme. C'est énorme. Déjà un chevalet de pontage. Là je peux en faire 5. Hop. Je coince sur quoi là? sur le fer. Hop. 3. Je coince sur quoi maintenant?
sur le cuivre. Incroyable. Ah, 35. C'est mieux. Allez, on en fait une dizaine. Et des chevalets, on va en faire... Bon, on va y aller comme ça, on verra combien il faut en faire. Hop, hop. Allez, on y retourne. Ouais, donnez-moi des trucs, les gars. Ouais, miam miam. Hop. Il refait du plastique, là. On va prendre un train. Est-ce qu'il y a un train de libre, là? Est-ce qu'il y a un train de libre? Ah, par contre, je voulais aller au pétrole. Ça va pas m'arranger, ça. Ouais, c'est pas grave. Par contre, j'en télécharge que 4. Ah, ça y est. Ouais, Dominich, ça change quand même la donne de refaire une partie non spaghetti. Ouais, tout à fait. Bon, spaghetti, c'est faisable, mais... il faut des heures et des heures et des heures de jeu. Alors, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Ah. On va venir se mettre là. Tac. Et on va... Allez, on va se faire un petit potal pour raccorder le truc. Voilà. Voilà, faudra faire gaffe quand on va passer avec le tank. Donc ici, on a raccordé... On est sur du 12,5 MW. Parce qu'on a 9 MW fait par les 12 machines à vapeur. Et on a 29 panneaux solaires raccordés au réseau. Et les accumulateurs sont chargés à plein. Du coup, ils se déchargent quand, les accumulateurs ? Ils servent plus à rien, là, les accumulateurs. Il faudrait... Est-ce qu'on peut, avec un réseau logique, dire « Ah, c'est la nuit, Non, c'est le jour. Hop, on coupe. Pour décharger les accumulateurs. Sinon, ça sert à rien, on est d'accord. Bon, je vais m'occuper des... Je vais m'occuper du pétrole. J'aurais dû prendre la bagnole. J'aurais dû prendre la bagnole. C'est pas loin, remarque. Hein. C'est vraiment pas loin. Hop, 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 hop. Alors. On va se remettre un puits. Puits. Ici. Hop. Combien on en a de puits? Un, deux, trois. Ouh, il y en a plein, eh. Déjà, si on en met 4, c'est pas mal, hein. 1, 2, 3. Donc là, celui-là, plus 4 autres, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien. Peut-être pas voir trop gros, quand même, hein. Après, pourquoi on avait mis de la défense, ici? Parce qu'à une époque, il y avait des nids de bestioles. Elles sont loin, maintenant, les bestioles. Donc, a priori, ce n'est plus très, très, très utile, hein. Surtout, il faudrait le mettre par ici. La petite tourelle.
Alors, mes chevaliers. Les chevaliers de pompage. Et là, on met un petit pouet-pouette, un petit pouet-pouette, un petit pouet-pouette, un petit pouet-pouette. Ah oui, il va falloir les relier aussi. Est-ce qu'on peut les tourner? Pardon. Excusez. Donc, tac. Tac. Tac, tac. Ah bah non, celui-là, on va le retourner dans l'autre sens, tiens. Oh, nickel. Oh, joli. Et donc là, tac. Donc, on va relier celui-là à celui-là, celui-là à celui-là. Celui-là, on pourrait faire passer ici. Donc là, on en met un là, un là. Ça, c'est quoi? Oula! Oula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 l
Le risque, c'est peut-être de s'ennuyer après. Alors du coup, c'est beaucoup plus long. Comment on peut accélérer le... Il faudrait mettre des pompes. Est-ce que les pompes accéléreraient le rendement du truc, là? Ou est-ce que ça sert à rien? Ça sert à rien de se fatiguer avec des pompes. Parce que là, il n'y a aucune pompe. Hein. Ah, si. Si, je sais. Il faudrait plus de pompes à ce niveau-là. Au niveau du wagon. Si j'en mets deux, ça va doubler le truc. Le problème, c'est que je peux pas faire de pompes parce que j'ai pas de moteur. Ok. Je peux faire jusqu'à 6 pompes, je pense. Attends, il faut que je me mette sur la gare plutôt. Là, j'en ai qu'une. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bon, ben, on va y retourner. Et puis on revient avec quoi déjà? 14... non, c'est tout. Alors, on retourne au chargement ici. Hop, allez. Tchou-tchou! Ouais, la citerne, elle arrive, elle est vide. Donc là, on charge en charbon. C'est le déchargement de la mine de charbon là, qu'on utilise pour recharger. On attend 15 secondes. Hop, c'est bon. 15 secondes, c'est même beaucoup. Hein. On voit qu'il est plein. Il pourrait attendre que 9 secondes, je pense. Optimisons le flux. Donc là, pareil. Par contre, là, le déchargement va très vite. Hein. Pourquoi le déchargement va très vite et le chargement va lentement? C'est parce que j'ai... Ah, c'est parce que ça servira à rien que je rajoute plusieurs pompes. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Parce qu'il va me manquer des chevaliers de pontage. Faut plus de pétrole en fait. Ouais, c'est long parce que les tuyaux sont vides en fait. Tac, 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 tac. Bon, du coup, là j'ai une petite réserve de pétrole. 5,4, 5,3. Du coup, les deux raffineries, elles doivent turbiner à fond là. Et l'usine de plastique ne clignote. Non, elle ne clignote plus, l'usine de plastique. Elle ne doit plus clignoter, elle n'a pas le droit de clignoter. Bon, il va falloir passer à 3 raffineries. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ah oui, on ramène du... Il faut augmenter, il faut mettre des chevalets de pontage partout, en fait. Par contre, je vais être faible en... Je vais être faible en tuyaux. Est-ce qu'on les a fait, les tuyaux? On les a fait si haut que ça, les tuyaux? Ouais, ils sont là. Ok. Clac. Après, j'ai 99 tuyaux droits, donc ça devrait aller. J'ai de quoi fabriquer 7 chevalets de pompage. Et éventuellement, on se fait... pour ça, il faudrait des moteurs. Les moteurs sont où? On les fait là, les moteurs, mais on les stocke nulle part. On fait pas de petits stocks de moteurs. Hop. Si c'est un moteur par pompe, je peux en faire 21. Tac, tac. Oui, après, quand on passe au train de 4 wagons ou de 4 citernes,
Mais bon, moi je cherche pas forcément à aller vite, hein. Et je fais aucun calcul, enfin, je fais quasiment aucun calcul de ratio. On verra ça pour la troisième partie. Ou la quatrième. Dans la troisième, on fera peut-être du modé, on fera peut-être du space exploration. J'ai envie de faire joujou à ça. Alors, on va prendre la bagnole. Elle est pas morte la bagnole. Non mais c'est pas possible ça. Eh, 8 moteurs. C'est une honte. C'est une honte. C'est honteux. Elle va beaucoup moins bien marcher maintenant, hein, c'est sûr. Faudrait que je fasse une route à côté. Attends. Où est-ce que je vais me garer, moi? Oh, brin! Reste pas là! Reste pas là, c'est dangereux! Reste pas là! Hop. Non, mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Oui, en plus, j'en ai un de pété. Il va me prendre une place séparée dans le truc. Ah, j'aime pas ça. Hop. Alors, le pompon. Bon, après, il en reste... Ah, brin. Il m'en reste 4. Attends, on va quand même vérifier que c'est vide. C'est vrai que ça cligne. Ah ouais, c'est vide. Ok, donc c'est pour ça. Mais il faudrait que pendant... Vu que pendant qu'il est pas là, il devrait pouvoir pomper et faire du stock. Pourquoi il fait pas ça? Il exagère un petit peu le truc. On est d'accord. Il me troll. Il me troll le jeu. Alors. On va le mettre comme ça. Pop. Ceux-là, on va les mettre comment? Ça va être pénible ici. Hein. Je pense qu'on va les sortir ici. Ah, c'est déjà fini. Ok. Alors. Hop. Et puis un petit hop. Et voilà, un de plus. Alors par contre après on va le sortir ici. Ouais, ben on va partir par là, hein. Je suis passé par ici. Je repasserai. Oh, oh, brin de brin. Je repasserai par là. Il court, il court. Le petit tuyau. Hop, le tuyau du bois joli. Hop. Non mais vous voulez mourir les gars. Arrêtez ça tout de suite. Hop. Du coup, ici, j'ai mes deux hôtes. Hop, on les met vers le bas. Là ça passe. Oh nickel. Et on dirait que ça a été fait exprès le truc. C'est pas atteignable. Je ne veux pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Ici. Pop. 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 Et ici, on ressort ici. Et on se raccroche comme ça. Hop. Et là, un petit peu d'électricité. Pop. Et pop. Et hop, voilà. Tout doit être... Il ne doit plus y avoir de flaque qui traîne. Ouais, on n'a pas le temps de stocker. Ah oui, on peut mettre des accélérations de vitesse. Pourquoi il y a un bonus de production? Pourquoi il y a un bonus de production alors qu'il n'y a pas de module de...
contre, ça pollue plus. Ah non, ça consomme plus d'électricité. Ah si, il pompe dessus quand même, les accumulateurs. Ah, la nuit, il pompe dessus. Ah, c'est bien ça. Ah, je suis content. Attends, il re... Non, il descend, c'est bon. Enfin, des fois, il descend, des fois, il remonte. On est en pleine nuit, ils ont pas remonté. Je pourrais en faire d'autres, de modules de vitesse. Combien ils en restent? J'en ai mis 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les circuits verts et les circuits rouges. Ah oui, ça se fait à base de plastique et... Ouais, on peut... Ouais, ouais, il y a assez d'électricité. Ouais, largement, ouais. Ah! Ah non! Pourquoi? Diablerie! Ah ouais, ça bouffe 990 kW! Il y a 1 mégawatt rien que pour les... Bon bah je pense qu'il va falloir se rajouter du... On est juste là. Il va falloir se rajouter du... Surtout la nuit. La nuit on est juste, je pense que le jour on est bien. Bonjour, bravo Victor Fox deux fois. Attends, je suis où? Je voudrais voir si ça se stocke quand... Du coup là il fait jour. Ouais, on a un peu de mou. Quand il fait jour, 12 MW, on consomme 11. On est pas mal là. 18h44, je vais arrêter à 19h. Hein. Pop, pop, pop. On a commencé tard. Mais alors tac. 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 Ouais, donc on stocke là 4,5. C'était combien des 25 000? Faudra peut-être en rajouter un autre. Ah, j'ai pas de quoi le faire. Ok. Ah, pas le temps de le rajouter. L'autre il. Allez. Et après il attend que ça arrive. Ok. Ok, Dak. Bon, on va aller booster notre truc d'électricité. Il nous reste un quart d'heure de live. Oui, on n'a pas ah oui, on n'a pas raccordé la mine de cuivre. Ouais, 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 ouais. On n'a pas raccordé la mine de cuivre. Bah, on va aller le faire après. Parce que je pense que dès qu'on aura raccordé la mine de cuivre, ça va pas le faire. Ça n'irait pas plus vite de charger le wagon avec deux pompes. Non mais t'as vu le chargement de la pompe, il est très rapide. Le vitage du réservoir a été très rapide. Après derrière, il attend que les 12 chevalets chargent le truc quoi. Donc là, ce qu'il va me falloir... Bon, de toute façon j'ai les 14 poteaux électriques pour faire le raccordement. Mais ce qu'il va me falloir c'est... une chaudière et une machine à vapeur. Donc là, il me faut du fer. Bon, il va m'en apporter, hein. Tiens. Hop. Une machine à vapeur. Hop, c'est bon. Ah. Amen, amen. À boule, à boule. Hop. Allez. Hop. Vite, petit robot. Alors. Comment on fait ça? Comme des gorées. Ma machine à vapeur, elle est où? Elle est où?
Elle est où la machine à vapeur? Elle est pas faite? Ah ben, il est encore en train de faire des modules de vitesse. Ah tiens, derrière, reclaque-en un autre. Tu t'es commandé un A320? Un vrai? Ils vendent des vrais A320 sur eBay? Non, une maquette. Ouais, ouais, il va falloir que j'aille promener... profitez qu'il fait beau. Profitez qu'il fait beau. Alors, attends, on est où, là? Il les a fait, ma... Ouais, ma petite loco. Hop, hop, hop. Donc là, pop. Ah, je suis encore dans... je suis encore dans le truc de logistique, ici. Toc, et... toc, et une... un tuyau, ici. Et un petit bras, un petit bras jaune. Hop, et hop, c'est parti. Peut-être qu'il en faudrait... Vous allez me dire... Oh, t'es un... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous êtes vraiment pas bien, les gars, hein. Peut-être qu'il faudrait que j'en rajoute plus. Ouais, 13,8, 13,8. Mais bon, c'est pas... Voilà. C'était parce que les accumulateurs étaient en charge. Maintenant que les accumulateurs sont plus en charge, je consomme bien 11 et je peux produire jusqu'à 13,5. On va aller brancher, 18h48, on va aller brancher la mine de cuivre. Et puis, hop. On va aller brancher la mine de cuivre et puis on va... Attends, c'est là. La bagnole, je l'ai laissé là. Arrête de marcher sur les... Où je l'ai mis la bagnole? Allez là. Arrête de marcher sur les convoyeurs à l'envers. Ça retarde tout. Tiens, un cadavre de bagnole. Qui a fait ça? Est-ce qu'on en profite pour remettre les modules de vitesse qui manquaient? Il y en a pas là. Combien il en faut? Tac. Tac. J'en ai fait un de trop. Tac. 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 C'est tout bon. Je dis, là ça stocke équitablement entre le tuyau et le réservoir. Si tu veux tout mettre dans le réservoir en attendant le train, une pompe entre le tuyau et le réservoir, puis une pompe entre le réservoir et le train pourrait faire le travail. Ah ouais, pour vider. Ah oui, parce que là, il y a... Il y a le réservoir, il y a le système de fluide. Donc si on met une pompe, ça va vider le système de fluide. Ok. Après, est-ce que ça fait un gros volume? Je vois le principe. Bon, je vais faire mon électricité, il reste 10 minutes. Ça devrait le faire. Alors là... Oh non! Mais qu'est-ce que vous voulez? Heureusement que c'est un gros potal, hein. Hop. Alors... on va partir où? Faut partir vers le sud. J'espère que j'aurai assez de poteaux. Bah on va repartir de... Ah, ceux-là ils sont trop petits. On va repartir de ceux-là, hein. Tac. J'aurais dû prendre la bagnole.
Je vais prendre la bagnole. Et paf, le poteau. Sinon, il va falloir que je revienne à pied. Par contre, ouais, il doit vider le coffre dans le... Donc je voulais éviter être autonome. Un peu comme le chanteur polyphonique corse. Mais ce n'était pas une bonne idée. Attends, on va couper là. Tac. On pourrait presque passer au-dessus de la mer. Comment on sait quand c'est droit? Est-ce qu'on peut passer au-dessus des falaises? Oh, cool. Et bah après on finit au petit poteau. Et voilà. Donc là, on a raccordé tout le système. Et on produit 15 mégawatts. Mais on consomme 15 mégawatts. Oui, mais parce que les accumulateurs sont en train de se charger. Ils se chargent très très vite. Ils sont chargés, clung. Et on consomme 12 mégawatts. Donc on a une petite marge de 3 mégawatts. C'est une petite marge, mais... ça permet de passer le truc, quoi. Là, on pourrait presque passer à 1000. Maintenant qu'il n'y aura plus de soucis pour charger ça pendant la nuit. La marche, ce sont tes panneaux solaires. Ouais, ouais. Bah, les panneaux solaires, ils produisent presque 3 mégawatts en plein jour. Alors que les chaudières, elles sont à 9,3 MW, mais c'est elles qui font la demande, quoi. Elles pourraient charger, elles pourraient produire beaucoup plus. Ah, ça y est, mes coffres sont vides. Donc là, maintenant, ça commence à être un peu galère. Mais ça charge encore assez vite. Je vais prendre le train pour rentrer. Et on fera un point. Ouais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mineuses. Je pourrais en rajouter. J'ai de la marge. Allô, Madame Z. Ah oui, il est encore sous Factorio. Pourquoi? J'ai encore 5 minutes. Elle m'a dit jusqu'à 19h, c'est bon. Mais pas plus. Je sais pas, ça veut dire qu'il y a un ultimatum, pas plus. Des fois, je comprends pas tout. Hein. C'est compliqué. Hein. Les filles, c'est compliqué. C'est plus compliqué que les jeux vidéo. Hein. Bon, bah là, on décharge. Pop, 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 pop. Du coup, notre usine... Non, bah elle est bonne, là. Elle est bien, notre usine, là. On est bien, là. Là, ça marche pas parce que le tapis est plein. C'est du jaune, hein. C'est quand c'est orange que c'est pas bon. Par contre, il y a des trous, là. Pourquoi il y a des trous? Pourquoi c'est disproportionné? Parce que ça prend... Il y a des trucs qui prennent que d'un côté et pas d'autre. Ah, c'est plein? Ah, il n'arrive pas à se vider. On en a trop, on en a trop. Eh ben, comme on produit pas assez de plastique, eh ben, on va se rajouter une raffinerie. Elle est où, la raffinerie? Allez, hop, on se fabrique une raffinerie supplémentaire. Et peut-être qu'on pourrait se faire... pour que lui, turbine... Ouais, ben, après, il va...
pourrait peut-être récupérer les modules de vitesse du coup. Tiens, on va regarder la nuit ce qui se passe au niveau électricité. Ah oui, non, la satisfaction elle est pas bonne du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, la nuit on n'est pas bien. Comment ça se fait? Pas que la nuit, là on n'est pas bien non plus. Pourquoi on produit pas les 15... Pourquoi on produit pas les 14 mégawatts? Les triangles avec une roue, c'est les fantômes que j'ai mis là par exemple. Et que donc il peut pas construire parce que je lui ai pas donné les usines. Donc si on veut que... voilà. C'est un peu bateau. C'est un peu bébête. Les accus pompent sur la vapeur la nuit. Je crois qu'on ne pollue pas assez. Ouais, il y a un truc là. Là, il y a un truc, hein. Je crois que je vais virer tous les accus, hein. Et là, c'est redevenu normal. On est en train de vider les accumulateurs. Ah, paf! La satisfaction a choix. Non, mais on doit être au max, là, de la production de machines à vapeur. Puissance maximale 900. On en a 14. 14 x 900. Attends, je vais faire ça de tête. Ça fait 12,6. Ouais, bah c'est ce qui est écrit. On devrait être bon. Pourquoi là il me fait que 9 mégawatts? C'est bizarre ça. Bonne soirée, Oya. Ça c'est bizarre. C'est plutôt bizarre. Il se passe des drôles de trucs là. Je trouve que c'est plutôt bizarre. On va se rajouter notre raffinerie. Je l'ai faite... Attends, elle est où? Elle est là. Pourquoi elle est raccordée, non? Ah, faut que je... oui. Merci Mandrin, bonne soirée. Ouais, c'est... Tant qu'elle n'est pas complètement établie, je m'occupe de Madame Z. Je suis désolé. Ah oui, le système de fluide, il contient 18 000 alors que le réservoir contient 8 000. Donc je pense que je vais pouvoir rajouter une usine de produits chimiques. J'en ai pas, je vais la fabriquer. Pour faire du plastique. Et puis on se quittera là-dessus. Bonsoir Grenet. Ça y est, elle est où l'usine chimique? Ah, j'ai un mal fou à les trouver. Hop, elle est là. Alors, ploc. Il faut quoi, du charbon? Attends, ça va être super chaud à faire, ça. Ah non, je peux en charger deux en même temps. Ah, et après, il faudrait que je le bascule de l'autre côté. Donc ça, il faudrait plutôt que je le mette là. Mais du coup, il a pas de courant. Voilà, ça va être un peu chaud patate, cette affaire.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du plastique. Et hop, hop. Et on a doublé notre production de plastique. Allez, 19h02. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour du Minecraft, le projet Amiens dans Minecraft. Mercredi ça sera le Titanic, jeudi on fait le petit avion parce que vendredi je ne suis pas là, et samedi on fera du Minecraft Titanic. À moins qu'on se fasse un peu de Factorio en début de live, hein. Live en deux parties, première partie on verra. Il nous reste plus rien à faire, on a quasiment fini le gamme là. C'est ballot, on a quasiment fini le gamme. 16. C'est la sauvegarde 16. Hop. Bonne soirée Dominich. Et bonne soirée Hotbug. Bonne soirée à vous tous. Merci aux modérateurs. Merci aux donateurs. Merci à vous tous. Des gros bisous. Et puis à bientôt. Au revoir Adé.